Ah, comme c'est paisible. Ah, on peut voir qu'ils ont rajouté des personnes sur ce vol, on n'est pas beaucoup. Oh mon dieu! Non, on va juste skipper et on va ignorer ça. Hey, c'est Etienne 907 pour être dégusté. Je sais pas ce que j'ai essayé de passer par ma tête. J'ai comme une toune qui me faisait sentir un peu dans le mood pour tuer des indigènes et ou juste tuer de quoi. J'ignore pourquoi, mais j'ai l'impression de me sentir en rage pour en ce moment même. J'ignore la raison, mais je suis légèrement enragé. J'ignore totalement la raison, sérieusement. Mais c'est pas grave, on va s'amuser à chasser l'indigène. Montrez-vous, indigène. Je vais juste me trouver un peu de cocktail Molotov et autres pour vous brûler. Et vous explosez après. Oh, lézard. Donne-moi ta peau. Merci. J'aurais en besoin de plus, s'il vous plaît. J'avais pas de balle de tennis, merci. J'aurais besoin, par contre, de petits changes. Si je me souviens, il y a une façon très simple de trouver ça. J'ai juste besoin d'un stick. J'ai déjà vu ça apparaître. Ah! Je vais pouvoir me faire ma propre bombe artisanale et m'amuser avec. Oups, je ne voulais point boire de l'alcool. Bang. Merci. On se sent bien mieux après avoir tué les indigènes. Tu vas voir. Je jouerais bien un jeu de. Avec plus de tuerie comme GTA. Où est-ce que je me prendrais pas mal à n'importe qui, n'importe quoi. Je tirerais sur n'importe quoi. Tout ce qui bouge. Dès que je verrais un animal passer, je dirais dessus. J'ignore comment ça? Qu'est-ce qui se passe par ma tête? Ah, c'est pas grave. On va avoir du fun. Boop. Boop. Oh, come on! Tu vas mourir devant moi. Toi qui es seul, tu te plains. Étienne est en chasse à l'être humain. Après tout, on m'a pris mon enfant. Pourquoi ne devrais-je pas être en colère? Je ne voule pas de l'air en colère, même si j'ai l'impression de me sentir enragé, sans aucune raison. Suis-je bipolaire? Je ne crois pas. J'imagine que ça doit être à cause de l'orthographe, hein. L'école et tout ça. C'est pas très. C'est légèrement chiant des fois. Mais bon. Je dois me concentrer sur autre chose, qui est de me trouver un campement et de m'amuser à faire souffrir ces indigènes qui ont enlevé mon enfant. Non, j'ignore comment ça, il y a un corps ici, on va juste le pulvériser. Tout d'un coup que c'est moi le cannibale dans cette île. Surtout je les ai jamais vus manger. Ah non, j'ai rien dit, je les ai vus manger une fois. Une fois. Ils mangeaient leur congénère qui était mort. Oh, une plage avec un indigène sur la plage. Intéressant. Voyons voir. Est-ce que j'ai quelque chose pour toi? Après tout, équipe-moi donc ça, s'il te plaît. Je waste légèrement mes items, mais c'est pas plus grave. C'est fou, il y a plein de morts partout. Hey, mon ami, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fuis? As-tu peur de ce feu que j'ai dans les mains? Tu sais que je veux ta peau? Je te vois encore, même si tu te caches présentement. C'est un golem version humain, il fuit quand on le voit. Boom. Nice.
Boum. Je sens légèrement mieux. Voyons voir ce qu'ils ont rajouté dans les constructions. Ça me tentait de chasser un peu au début. Quand j'ai vu les fondations qu'ils avaient rejetées, hein. Oh my god, sérieux? Nice. Ils ont rajouté des... Ça, je sais pas pourquoi c'est de même. Imagine, c'est parce que c'est pas encore totalement dans le jeu. Alors, ils l'ont juste enlevé. Des bateaux. PJ. Ok, c'est cool. Alors, ils ont rajouté des trucs qu'on peut construire dans les arbres. Alors, je pourrais me faire une forteresse dans les arbres. Intéressant. Une chose est sûre, je vais aller... Il reste 14 jours après la prochaine mise à jour encore, donc j'ai pas énormément de temps, encore une fois, à faire une série. Donc je vais garder cette série-là dans la série de saison 3. Obviously, parce que sérieusement, date, c'est pas... Je pense que je vais pouvoir trouver le lac aux outardes. Mais ouais, comme je disais, il y a genre 13 jours entre la prochaine mise à jour et celle que je joue présentement. Il y a eu plusieurs bug fixes dans le multijoueur, mais encore une fois, mon ami que j'ai joué avec, il y a un méchant gros bug qui faisait qu'il n'était juste pas capable de jouer. Il rentrait dans le game, sauf qu'il était pas capable de... Dès qu'il ouvrait son inventaire, il buguait puis il était plus capable de bouger. Hey! Hey, madame! Bien le bonjour. Je veux tuer encore. J'ignore pourquoi, mais on dirait que c'est un meurtrier qui est tombé sur cette île. Et qui tue tous les indigènes qu'il voit sans aucune crainte. J'aime juste de me crasher sur cette île, mais je tue tout ce qui bouge. D'ailleurs, je suis plein de sang encore. Bonjour le petit lézard, donne-moi ta peau. Allons se laver un peu. Oh my god, je suis plein de sang. Je suis plein de sang! Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas été dans le petit vidéo que j'ai vu tout à l'heure. Wash it off! Voilà, je devrais être propre. Good. Je sais pas si je vais probablement essayer de me construire proche du lac aux outardes, je le trouve. Pas tout à fait collé, mais proche. Si je te tue, est-ce que ça me fait plein de sang? Non? Cool. C'est good. Je sais pas pourquoi il y a autant de corps partout dans cette... Dans la version que je joue, il me semble qu'il n'y a pas de guerre présentement. Je vois pas d'indigènes avec des drapeaux qui se promènent et qui disent « Sauter à moi, toi, déguerpir de mon terrain, ou moi, manger toi. » J'imagine qu'ils doivent parler en homme de caverne, après tout, à moins qu'ils doivent avoir tout autre langage. Ça ne m'étonnerait pas du tout. D'ailleurs, après tout, ça serait logique qu'ils aient tout un autre langage. On va juste aller se perdre un peu dans la forêt, puis se construire une belle base. Là, je croyais que je vais me faire attaquer encore. Oh, des bons bleuets! Nice. Toujours besoin d'autant de bleuets que ça. Ah, il va falloir que je me venge de... What's his face? De ce foutu malade mental qui m'a... Ah oui, le... Ouais, on m'a-tu le dit, Carly, que je l'ai le mot dans ma tête, mais je le sais, il me sort pas. Le mutant à huit pattes. Moi, retrouver-toi et moi, te péter la gueule. Moi, t'exploser plutôt, devrais-je dire. Tu vas voir. Intéressant, j'ai trouvé un autre truc pour faire une autre bombe. Qui d'ailleurs ont été toutes les deux des miss totales. Hein. C'est étrange qu'il y ait plein de brûlés dans ce coin-ci. Et faut croire que quelqu'un est déjà passé par ici parce qu'il y a une caisse d'ouverte. Intéressant. Cloth. D'abord. Je ne mangerai pas de champignons, merci. D'ailleurs, ils n'ont pas donné d'informations sur les champignons dans le game normal. Dans le livre, tout court, que je devrais dire plutôt. Pas de couronnes, sont pas bonnes. Oh my god.
J'étais dû tomber sur le lac aux outardes. On se croise les doigts. Oh! Fuck. Ok, c'est good. Ça me va. Ça ne me dérange pas, je vais vivre en paix avec ces oiseaux. Ils sont tous partis du Québec. Il fait froid maintenant, il y a plein de neige partout. God dang it. Alors, il faut que je remarche tout à l'heure dans la neige. Cela va être amusant. Nous sommes amusés à faire des boules de neige. Puisque la neige est collante présentement. Je vais garder cette expression-là pour moi. En fait, c'est l'expression de ma mère, donc je vais garder ça pour moi. Ah ouais, chope-moi ces arbres-là. Oh boy, cet arbre est vivant et il est parti dans tous les sens. Je vais me construire une belle petite cabine pour survivre en attendant, et après, j'essaierai de me construire un mur autour de la maison. Et non, en moitié tôt. Mais quoique, je vais juste me faire une cabine. Puis un mur, je vais attendre avant de faire ça, parce que pour l'instant... pour l'instant... oh, désolé. On n'a pas de besoin. Parce que j'aurais même pas le temps de compléter un vrai mur, puisque la mise à jour wipe toujours tout. Alors aussi bien juste me construire une petite maison présentement. Une petite maison assez simple. Et explorer, chasser. De l'indigène et tuer un... pourquoi pas un mené... tuer un de ces foutus mutants qui est sous terre. Avec une bombe, bien sûr. Je ne l'attaquerai pas de proche cette fois-ci. Puisque je sais comment ça va se finir. One shot kill. Il va juste me toucher avec un petit doigt, avec un de ses doigts, un de ses doigts. Puis je vais revoler à l'autre bout du monde et crever. C'est comme Superman ou Hulk. Fais juste te toucher et tu revoles. Très plus Hulk. Parce que disons que Hulk n'a pas intérêt à faire de quoi contre lui. Ne le fâche point. Je serais vert présentement. Ou bien c'est l'autre partie de mon caractère, de mon personnage de Minecraft que je devrais dire. Devrais-je dire? Prends le pouvoir. C'est bien sclérer un peu le chemin. Avoir moins de feuilles. On m'a déjà soufflé. Avec tous les coups que je soigne dans le vide. Bon ben, je vois pas, je vais couper un autre arbre et ça va être la fin après. Lors d'un prochain épisode, ce que je vais faire, ça va être chasser les mutants. Ça c'est sûr à 100%. Je vais t'en trouver un puis je vais te le faire sauter avec une bombe. Non, je pense que j'ai tous les matériaux pour me faire une nouvelle bombe. Faux. Ouais, j'ignore pourquoi j'ai du papier bombe. Game day! Hey, voilà, j'ai une bombe. Bon, j'ignore si la vidéo a été plus courte que d'habitude. Mais je vais mettre fin à ça là, parce que je m'en vais bientôt m'entraîner au gym. Alors, c'était Z907 pour la TPQC. Et on se revoit à la prochaine. Bye bye!